Alabama dans le Tennessee. Vivait un rappeur qui n'avait jamais peur. Contre les méchants, il se battait souvent pour faire triompher justice et liberté. De passion. Il est aujourd'hui entré dans la légende des ce beau pays qu'il sait si bien défendre. Il y aura 100 dollars pour toi si tu fais ce qu'on te demande. Je t'écoute. Eh ben voilà, mon frère et moi nous pensons... Tais-toi, crétin. Nous allons être transférés à Bâton Rouge pour y être jugés. Il faudrait que tu ailles prévenir deux copains à nous. Et comment qu'ils s'appellent, vos compères? Callaghan et Flanagan. Tais-toi, crétin. Flanagan et Callaghan, tu les trouveras facilement, ils sont toujours... Attention, Flanagan. Oh, bon sang de bon sang. Quand je pense que je vais bientôt débarrasser de vous. Pour sûr, chef, oui. Et mille de mieux. C'est vu. Carédas, qu'est-ce que tu dis de ça? Bien joué, Callaghan. Tiens. Hé hey. Et calmez-vous, il vient de la part des frères Misfit. Qu'est-ce qu'ils nous veulent encore, ces deux-là? Je croyais qu'ils étaient au pénitencier de Saint-José en attendant leur jugement. Bien, c'est que, justement, ils vont être transférés. Et par qui? Par le shérif Carson de Talladega. Cette grosse mauviette. Ça sera un jeu d'enfant de les libérer. Et il y a combien pour nous? Ils ont parlé de plusieurs milliers de dollars. Attention, attention. Appel urgent de la prison de San José au shérif Carson. Je répète, appel urgent de la prison de San José au shérif Carson. Les frères Misfit doivent être jugés à Bâton Rouge par le juge René Paille. Je répète, appel urgent de la prison de San José au shérif Carson. Les frères Missis doivent être jugés à Bâton Rouge. Ah bah tant mieux, bonne nouvelle. Quoi, hein? C'est moi qui suis chargé de les convoyer là-bas. Mais ça peut être très dangereux. Et puis, ben, il faut que quelqu'un reste à Talladega pour assurer la sécurité. À moins que... Talladega, la nuit. J'espère que tu as été sage. Tu sais ce que je t'ai dit, hein? Et toi, mon petit bonhomme, personne n'est venu te chercher? Bien sûr que si, madame. Ah, bon, tant mieux. Hop. Hop.
Dieu, quelle drôle d'époque. Hein? Bonjour, mon garçon. Bonjour, shérif. Est-ce que tu peux remettre cette lettre à Davy? C'est très important. Bien sûr, shérif. Cher Davy, l'administration pénitentiaire me demande d'aller conduire les frères Misfit à Bâton Rouge. Malheureusement, il se trouve que ma sœur Tara vient passer quelques jours à Talladega. Auriez-vous la gentillesse de me remplacer dans cette périlleuse mission? À choisir entre les deux, il vaudrait mieux aller chercher les frères Misfit. Parce que Tara, c'est pas pour dire, mais franchement... Tu as raison, tombé du ciel. Et puis le shérif Carson est un ami. Tu vois bien ça. Nous partirons demain au lever du jour. Ouais. Ah non, Jumpy. Toi, tu restes ici. Il faut que tu ailles à l'école. De toute façon, nous ne serons pas absents très longtemps. Oh non, Jumpy, ne fais pas cette tête-là. Puis il faut bien que quelqu'un s'occupe de Matt et de Bluegrass. Hey, oh, oh, bon sang de bon sang. Je ne suis pas fâché de vous voir. Je vais enfin être débarrassé de ces deux vermines. Pablo, amène les clients de monsieur. Vous les a préparés aux petits oignons, bien sûr. Dites, vous pourriez pas nous desserrer un peu parce que là... Des doigts crétins. Mais pourquoi que vous vous faites des clins d'œil, hein? Pourquoi m'en fait pas à moi des clins d'œil? Des doigts crétins. Allez, en haut. Pas fâché de les voir partir. Bonne route. Oliver? Présent, madame. Wilbur. Présent. Présent qui? Présent, madame. Jumpy? Jumpy? Tiens, Jumpy n'est pas là aujourd'hui. Arrête-toi, Matt. Nous allons nous reposer un peu. Laisse-nous tranquille, Bluegrass. Ah!
va falloir se méfier de cet Indien. Bien joué, Callaghan. Ah. Café, messieurs? Non, merci. Bah, pourquoi pas? Ouais, moi, je veux bien. Mais non, t'en veux pas, crétin. T'as horreur du café. Ah bon, je savais pas. Merci de m'avoir prévenu, Franck. C'est normal, t'es mon frère. Non, c'est toi qui es mon frère. Allez, debout. Oh, mais j'ai sommeil, ma... Et ça m'arrive souvent quand c'est le soir fin de la nuit. Mais, Jumpy, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui pourrais te poser cette question. Un somnifère. White, en route! Je crois bien que les misfits ont volé White et la mule. Debout, marmotte. Ah. Ces traces sont toutes fraîches. C'est sûrement eux. Allons-y. Ils ont pris la direction de ce canyon. C'est eux. Méfier de croquettes. White! C'est le vertige! Drôle de Mon River. Drôle de Mon River. Drôle de Mon River. Vous pouvez nous faire traverser? Bien sûr, monsieur. Bien joué, Callaghan. Bien joué, Flanagan. Tais-toi, crétin. Mais j'ai rien dit, Flanagan. C'est pas une raison. Mettez-vous sur les côtés et accrochez-vous. Oui, tombé du ciel, mais je sais qu'il y a des rapides dans ce coin. Davy, il faut faire quelque chose. T'inquiète pas, Bluegrass. Thank you.
Hey, ah! Et attendez mon signal! Maintenant! Voici, ça commence à bien faire. Alors ça, c'est le Mississippi. À l'ouest, San José. À l'est, Talladega. Au sud, Bâton Rouge. Et ils vont aller vers le nord. C'est là que nous les rattraperons. À nous cinq, mes gaillards. Mais Davy, je croyais que tu étais contre les armes à feu. Oh, ne t'inquiète pas, je ne vais pas les tuer. Nous allons simplement nous amuser un peu. D'accord pour s'amuser. J'ai promis d'emmener les frères Misfit à Bâton Rouge, et c'est exactement ce que je vais faire. Ma patience a des limites. Je crois que tu as raison. C'est pas le moment de le déranger. Le Nord. C'est bien ce que j'avais dit. Ils ne perdent pas de temps, ils s'apprêtent à attaquer un train. Les mains en l'air ou je tire! Pas de panique, c'est du bluff. Croquette n'a jamais d'arme à feu. T'avais raison, tombé du ciel. C'était vraiment pas le moment de le déranger. Si les prévenus ne sont pas ici dans 10 minutes, je serai forcé de remettre cette audience à l'année prochaine. Voici vos clients, monsieur le juge. Avec en prime, ces deux desperados. Callaghan et Flanagan. Ça fait 2 ans que je les cherche. Si vous avez arrêté moi-même, je serais sans aucun doute devenu marshal, puis ensuite gouverneur, et ensuite... Oh, Davy, vous voilà enfin. Tiens, le shérif Carson. Mais je croyais que vous ne pouviez pas venir. Oh, il m'est arrivé une histoire incroyable. Figurez-vous que ma sœur s'est trompée de train, et vous, cette petite promenade, elle s'est bien passée. Sans problème. Vous avez cependant 3h12 et 27 secondes de retard. Vous venez de nous faire perdre du temps. Silence! Un peu de calme. Le procès va commencer. Accusé, levez-vous. Allez. Callaghan et Flanagan, vous êtes accusés d'avoir voulu empêcher un représentant de l'ordre de mener à bien sa mission. Et vous, les Misfits, vous êtes accusés de 22 pillages de banque, 18 attaques de train, 7 prises de diligence... et de l'assassinat de monsieur et madame Shaughnessy. C'est mon frère qu'a-t-on combiné avec les 2 autres, monsieur le juge. Moi, j'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu racontes, Franck? C'est toi qui as eu l'idée qu'on devienne des bandits. Tu m'as même dit que voler, c'était plus facile que de travailler. J'ai jamais dit ça. J'ai dit le contraire. Le contraire de quoi, Franck? Ce sont les frères Misfit qui ont tout combiné, monsieur le juge. Bien joué, Callaghan. Ça suffit! Vous me prenez pour un imbécile? Vous êtes dans une cour, pas dans un cirque! Il a raison, Franck, on n'est pas dans un cirque! Tais-toi, crétin! Oh, bonjour, mon garçon! Ça va bien? Les frères Misfits vont rester en prison jusqu'à la fin de leur jour, c'est sûr! Quelle a été la sentence? 800 ans de pénitencier pour Frank et Jesse Misfit.
Et 400 ans seulement pour Monsieur Callaghan et Flanagan. Ils seront enfermés au pénitencier de San José. Bon sang de bon sang. Mais sans en garder ces types, je ne m'en sortirai donc jamais. Penses-tu, mon garçon? Au pénitencier de San José. Là où sont enfermés les assassins de monsieur et madame Shaughnessy. Ne pense plus à tout ça, mon garçon, c'est du passé. Pense à ton avenir. La vie est belle. Regarde ce coucher de soleil. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi beau? Et tu n'as que des amis autour de toi. Oui, t'as raison, Davy. Les méchants, ils se battaient souvent pour faire triompher justice et liberté.